Aux prémices de ce que l'on considère comme l'e-sport moderne, en gros à partir des années 2000, un certain nombre de clubs aujourd'hui mondialement connus sont nés de belles histoires familiales ou amicales. On pense par exemple à Fnatic, lancé en 2004 par une mère et son fils sur Counter-Strike. On peut également citer Opti Gaming, fondé en 2006 par deux potes fans de Call of Duty. Ou encore TSM, alliance de deux frères qui ont d'abord tenu un blog au lancement de League of Legends. Sans oublier bien sûr les pionniers de SK Gaming, la réunion d'une fratrie de 4 Allemands pas mauvais à Quake, qui a vu le jour dès 1997. Alors même qu'une partie d'entre vous, fans d'e-sport, n'était pas encore née. Et moi j'avais 2 ans. L'histoire que je vais vous raconter dans cette vidéo s'inscrit dans la continuité de ces clubs qui ont grandi et se sont imposés dans l'écosystème autour d'un noyau dur et soudé. Aujourd'hui, on va parler d'une équipe flashy, d'un tag qui en a fait rêver plus d'un et moi-même au milieu des années 2010, d'un pilier du milieu qui compte dans ses rangs des joueurs figurant parmi les meilleurs au monde dans leurs jeux respectifs, mais un club qui a aussi traversé pas mal de galères, qui s'est probablement brûlé les ailes à un certain moment et qui n'est pas passé loin de disparaître. Aujourd'hui, on va parler de FaZe Clan. À la base, FaZe, c'est 3 copains, 3 mecs qui kiffent jouer ensemble à Call of Duty, qui sont doués, manette en main, et qui sont surtout des petits génies du sniper. Ces 3 personnes, c'est Clips, Résistance et Housecat, qui deviendra plus tard Timide. Et au lieu de simplement lancer leur équipe, nos 3 protagonistes décident de faire un truc qui n'est pas encore commun à l'époque pour montrer au monde entier ce dont ils sont capables de faire, lancer leur chaîne YouTube. C'est de cette manière que FaZe voit le jour, en tant que chaîne sous le nom de FaZe Sniping, mais aussi en tant que tag, et devient donc un clan FaZe Clan. On est alors en mai 2010, et pour vous situer un peu ce qui se passe dans le YouTube game à cette époque-là, on peut checker ce qui se faisait en France à ce moment-là. Diablo X9 vient tout juste de créer sa chaîne il y a à peine quelques semaines, quelques mois. Monsieur le V12 et DigiDix existent pas encore aux yeux du public, et Gotaga a publié un seul clip qui dure 1 minute 32 sur fond d'évanescence. Bref, c'est le tout début de l'âge d'or de Call of Duty sur YouTube. Et FaZe va grandement participer à cette période faste. Les 3 ados partent quand même avec un sacré avantage. On trouve difficilement meilleure arme que le sniper pour impressionner les spectateurs à base de noscopes, de trickshots, de 3-6 et haute joyeuseté. En plus, on est passé quelques mois plus tôt de Call of Duty 4 à World at War, puis ensuite Modern Warfare 2, qui a probablement le mode online le plus abouti des jeux de l'époque. Le cocktail est parfait pour gagner rapidement en popularité. Le contenu en lui-même est relativement similaire à ceux des autres créateurs qui se lancent en même temps que FaZe sur ce créneau. Des intros avec des gros logos en 3D accompagnés de leur horrible animation pixelisée. Un montage bien chargé de color correction sur musique dubstep électro. Mais on ne va pas se mentir, même si ça paraît beauf maintenant, on a tous kiffé cet arc, moi le premier. Là où FaZe va faire la différence avec ses concurrents, c'est à la fois grâce à la qualité de leurs vidéos, mais aussi grâce à l'effet de groupe. FaZe, c'est le premier vrai clan dans ce domaine, et ce clan ne tarde pas à s'agrandir. Dès août 2010, l'équipe enrôle par exemple Temper, avec qui j'ai eu l'occasion d'échanger dans un camp libre, et qui deviendra donc CEO de la structure. Puis en 2011 arrive un homme qui va réellement propulser la popularité de ce clan, Faki. Faki, il a fait office de précurseur, donc Faki Faiki, sans doute on dit hein. Il a eu une très bonne approche en matière de création de contenu et a parfaitement compris comment utiliser les réseaux sociaux pour engager la communauté. Grâce à lui, FaZe ne se limite plus à la diffusion de contenu in-game et à sa célèbre série Illcams. Le collectif se lance aussi dans la production de vidéos lifestyle, avec entre autres des vlogs qui ont permis aux abonnés de se sentir plus proches des joueurs. Du coup, ces joueurs en question vont être à la fois appréciés pour leur jeu, mais aussi pour leur personnalité, ou en tout cas celle qu'ils laissent transparaître en vidéo. Et dans la même logique, FaZe crée son merch pour se rapprocher de sa commu et faire des sous, et voir les couleurs du club fièrement portées par les fans. Les fans font parfois directement leur apparition dans des vidéos compilations de clips réalisés par la communauté qu'on appelle Community Montage, et FaZe organise même des concours avec ces clips en offrant aux vainqueurs ni plus ni moins que la possibilité de rejoindre le club. Vous l'avez compris, cette connexion avec les fans, c'est vraiment quelque chose d'essentiel dans la stratégie de l'écurie. Et si aujourd'hui, ça peut paraître banal de le dire, notamment parce qu'on a de plus en plus d'influenceurs dans l'e-sport, faut bien rappeler que ce sont les premiers créateurs de contenu d'internet à s'être engagés par ce terrain du rapprochement avec leur public. Et ça paye. Et ça paye même très vite. Le compteur de vues des compilations de la chaîne YouTube explose. En 2012, le chiffre symbolique du 1 million d'abonnés est déjà franchi, avec un beau montage en plus pour l'occasion. Toute cette hype, ça attise la curiosité des sponsors. Et FaZe va boucler de nombreux deals comme celui avec l'horrible marque de boissons caféinées nommée G Fuel, qui est aujourd'hui l'un des plus anciens partenariats dans l'e-sport. Cette manne financière va permettre à l'équipe de se lancer de manière plus professionnelle sur la scène e-sportive de Call of Duty, avec des dirigeants et des employés.
Mais même si le bébé grandit vite, il se souvient d'où il vient et FaZe est alors toujours ce club qui met les fans au centre du projet. Avec désormais un double impératif d'avoir des résultats solides en compétition, notamment sur Black Ops 2 où ils ont commencé à avoir des équipes, et du contenu plus léger pour suivre les personnalités du club. En fait, si on fait le bilan de ces premières années d'existence, tout semble sourire à l'équipe américaine. Cette réussite presque insolente, ça pouvait poser les germes d'une success story qui n'était pas prête de s'arrêter. Les affaires vont d'ailleurs tellement bien que la structure se développe à l'international et arrive même en France. En septembre 2013, avec la chaîne FaZe eSniping, c'est là qu'on retrouve des noms qui sentent bon les années dorées de Call of Duty, avec voilà, Rambo, Isp, Zidar, et surtout l'incontournable Anil Wartek qui en sera là. D'affiche. Le projet changera de nom dès avril 2014 pour devenir FaZe France, tout simplement. Les créateurs contenus de cette entité se retrouvent à Paris, dans la FaZe House parisienne, sur le modèle de ce qu'ont fait leurs compères outre-Atlantique. Un an plus tard, FaZe France en sera même une éphémère équipe compétitive. Elle restera en place seulement quelques semaines, le temps de participer à la Gamers Assembly à l'ESWC, avant de disparaître aussi vite qu'elle est arrivée. En réalité, c'est toute l'unité FaZe France qui sera remerciée en mai 2015 suite à un désaccord de vision avec la branche US. À ce stade, à part quelques contretemps comme celui qu'on vient d'évoquer, le géant américain a encore les pieds sur terre et sait où il va. D'un côté, on a ses vlogs des membres du club dans des grandes maisons bien drippées et avec de grosses voitures, un lifestyle qui correspond pas vraiment à l'image que le grand public se fait des gamers, mais qui permet de rompre avec cette caricature du geek ultra réservé. Mais de l'autre, on a un club qui s'assume de plus en plus comme une structure e-sport. Et FaZe accumule des résultats probants sur Call of Duty, avec des apparitions aux différents Call of Duty Championship, et même une troisième place pour FaZe Red lors des finales mondiales de 2015, ce qui va réellement accélérer les choses de ce point de vue-là. Pour le meilleur, comme pour le pire, c'est la volonté du board de tenter l'aventure sur un autre jeu nommé Counter-Strike. Le seul souci, c'est que pour se lancer sur Counter-Strike Global Offensive, bah, il faut mettre la main au portefeuille plus que sur Call of Duty. Parce que le FPS de Valve jouissait déjà d'une forte popularité et faisait déjà partie des jeux au sommet de la chaîne alimentaire de l'e-sport à l'époque. Et si en façade tout baigne pour FaZe, l'organisation ne roule pas non plus sur l'or et ne peut pas se permettre n'importe quoi. Les finances du club risquent d'être fragilisées par ce projet. Il a donc fallu trouver un moyen de financer cette idée un peu folle. Et c'est là que les magouilles commencent du côté de FaZe. Mais avant d'aller plus loin et pour bien comprendre la suite, faut que je vous explique en deux minutes comment on obtient des skins dans Counter-Strike. En gros, en 2013, Valve introduit la mise à jour qui s'appelle The Arms Deal, qui prévoit l'apparition de cosmétiques pour modifier l'apparence des armes. Bon, c'est bon, en 2024, vous savez ce que c'est les skins. Et ces skins, on peut les obtenir directement et aléatoirement en ouvrant des caisses, comme sur FUT Champions, avec les packs, sauf que pour ouvrir ces caisses, il faut des clés, acheter elles avec du vrai argent. Et donc à côté de ce marché interne, donc marché interne que va développer Valve sur Steam, il y a un marché parallèle où les joueurs peuvent fixer eux-mêmes le prix des skins qu'ils mettent en vente. C'est un marché ultra actif, avec des milliers de produits vendus qui peuvent valoir de quelques centimes à plusieurs milliers, voire plusieurs centaines de milliers d'euros, peut-être pour certains, je crois, si je dis pas de bêtises. Sa particularité, c'est qu'il prospère à l'époque sans la moindre intervention de Valve, ou encore de Steam, qui se contente en fait de prendre juste un pourcentage sur chaque transaction. L'autre chose qui se met en place, c'est le trading, c'est-à-dire l'échange de skins qui permet entre autres d'éviter la taxe de Steam sur la vente justement de ces mêmes skins. Du coup, en 2015, c'est un peu la foire sur CS, parce que comme il n'y a pas de régulation, c'est le moment où émergent pas mal de sites de trading pas très scrupuleux. Et c'est aussi à ce moment que débarquent des casinos où les joueurs peuvent miser leurs skins, que ce soit à la roulette ou à la machine à sous, et autres pile ou face, et les joueurs espèrent repartir avec le gros lot. Que des skins, je le rappelle, mais de valeurs différentes en fonction des gains éventuels. Bref, comme dans un vrai casino. Sauf qu'à la différence que tout le monde peut participer, y compris enfants et adolescents. Et vous me voyez peut-être venir, mais FaZe Clan comprend bien ce qui se passe et décide de lancer officieusement, mi-2015, son propre casino qui répond au doux nom de CSGO Wild. Officieusement, parce que le club se vantait pas vraiment d'être derrière ce projet, les créateurs de FaZe ont fait subtilement la promotion en publiant plusieurs vidéos dessus, des vidéos dans lesquelles ils remportaient plus ou moins de gains, mais souvent plus que moins. Voire même un petit peu trop. C'était quelque chose d'assez commun à l'époque pour ce genre de site, d'aider les youtubeurs et les streamers en augmentant un peu leur pourcentage de chances de gagner de manière artificielle. C'était pas dit officiellement, mais tout le monde le soupçonnait. Sauf que là, c'était quand même assez gros, et après plusieurs mois à tourner à plein régime, le site ferme en juin 2016 lorsque Valve est contraint par la justice américaine de mettre un peu son nez là-dedans. Et le mystère autour des fondateurs de CSGO Wild perdure et le secret semble enterré avec la mort du site, sauf que 4 ans plus tard, Banks, l'un des membres les plus importants de FaZe, qui avait rejoint le projet durant les premières années, décide comme ça de tout confesser dans le podcast Bad NWZ. Alors même que l'histoire se tasse, il explique que lui, bah, il voulait juste monter une équipe sur Global Offensive et que pour ça, il fallait bien trouver un moyen de faire de l'argent rapidement. Le gars ne voit manifestement pas le problème avec des centaines de publicités déguisées sur YouTube, et puisqu'il n'est pas à ça près, il avoue même que le site rapportait parfois, donc sur certains jours, plus
plus de 200 000 dollars. Et malgré ça, le plus important au final pour FaZe, c'est que le club a réussi son coup, l'équipe a récolté suffisamment d'argent pour se lancer sur Counter-Strike. Elle dépoche alors tout le roster de G2 et enrôle notamment un certain Reign, pas celui dont j'avais raconté l'histoire sur ma chaîne et qui était comme Banks présent quasiment depuis le début, mais ce Reign, vous le connaissez notamment, et si vous suivez un peu CS, parce qu'il est encore chez FaZe aujourd'hui, presque une décennie plus tard, et c'est une vraie légende du club. En 2017, l'équipe réalise un autre très gros coup en signant le Bosniaque Nico, l'un des plus gros joueurs de Counter-Strike, pour près de 500 000 dollars. C'est un record pour l'époque, un chiffre qui fait tourner les têtes à ce moment, et qui permet vraiment d'ancrer la place de FaZe dans l'écosystème Counter-Strike. CS, c'est d'ailleurs aujourd'hui encore, et sans aucun doute, le jeu référence de FaZe. À l'heure où je tourne cette vidéo, le club est numéro 5 mondial. C'est loin d'être son meilleur classement de ces dernières années. FaZe avait notamment survolé la scène compétitive au lancement de Counter-Strike 2 et avait réussi une saison 2022 légendaire sur Global Offensive en complétant l'Intel Grand Slam. Ils avaient alors remporté 4 tournois majeurs dans la même année, dont Cologne et Katowice, deux monuments de Counter-Strike. Il y a aussi plusieurs grands noms du CS mondial qui ont porté le maillot, comme Olofmeister ou encore Karrigan, l'actuel in-game leader de l'équipe. Mais revenons-en à nos moutons, parce que ce lancement réussi sur CS, qui permettra plus tard d'écrire quelques-unes des plus belles lignes du palmarès de l'écurie, FaZe se développe sur 3 autres jeux de tir en 2016 et 2018, PUBG, donc PUBG, Overwatch, mais surtout la sensation de l'époque, le raz-de-marée signé Epic Games, nommé Fortnite Battle Royale. L'arrivée de Fortnite, ça va vraiment être un tournant majeur pour FaZe. En fait, faut bien saisir ce qu'est Fortnite pour voir à quel point ce jeu, c'est du pain béni pour le club. Le point le plus important, c'est que c'est incontestablement la licence la plus populaire du moment qui a fait l'effet d'une bombe dans le milieu. Tous les streamers sont dessus, les structures tardent pas à se positionner non plus, et donc la scène e-sport se forme assez rapidement. À titre d'exemple, Fortnite, c'est le jeu le plus regardé sur Twitch en 2018, avec 1,35 milliard d'heures visionnées. Cette année-là, autant vous dire que notre BR met une pilule à League of Legends qui est un peu en dessous du milliard d'heures visionnées. Ensuite, il y a une succession d'éléments qui font que Fortnite fit avec l'ADN de FaZe. Par exemple, le jeu parle à un public assez large, mais touche essentiellement une jeune audience qui est principalement le cœur de cible de chez FaZe. Autre point non négligeable, c'est qu'on parle d'un jeu où tu peux faire des choses très spectaculaires, et ça résonne avec le prestige du club qui a construit sa notoriété sur des compilations de moves stylés et de trickshots. Et enfin, il y a beaucoup de stars qui vont s'afficher sur Fortnite, et ça aussi, ça colle à FaZe, qui a toujours eu une image glamour et sa stratégie de marque. En somme, l'engagement de FaZe dans l'univers Fortnite, c'était un mariage évident. Une alliance parfaite entre une écurie déterminée à marquer la culture populaire et un jeu qui a su élever le gaming à un phénomène de pop culture. Et cette union a globalement porté ses fruits. Pour la majorité de ceux qui ont évolué sous la bannière FaZe sur Fortnite, l'aventure a été plutôt concluante. Du côté des joueurs et des streamers enrôlés par la structure, ça a été un vrai plus de porter le maillot d'un club aussi prestigieux. Ça a aussi permis à beaucoup d'entre eux de se lancer ou de se faire connaître. Côté FaZe, la hype autour de Fortnite a permis au club de gagner énormément en popularité, de manière peut-être même encore plus massive qu'au lancement de Call of Duty, ou en tout cas peut-être de manière comparable. Et cette époque, ça a été celle de très belles histoires comme celle de Ewok. Ewok, c'est un gamin qui a rejoint FaZe en 2019 en tant que streamer à même pas 14 ans. C'est un ado qui est gifted, qui est vraiment doué pour son âge, mais c'est aussi un jeune homme qui est sourd et qui tente de faire accepter son handicap en menant la lutte contre les stéréotypes dans l'e-sport. Il va donc streamer avec certains des plus gros créateurs de contenu de la planète et devenir un vrai symbole pour toute une partie de la commune Fortnite. Mais à l'inverse de cette belle histoire, cette époque, c'est aussi celle de certains dramas, comme celui autour de Jarvis, qui a été banni à vie de Fortnite. Donc c'était l'un des créateurs de contenu de chez FaZe. Il faut dire qu'il était complètement con, Jarvis. Il avait fait une vidéo et un live en utilisant un aimbot pour le tester et montrer à ses viewers comment ça marchait. C'est pas le couteau le plus aiguisé du tiroir, le type, mais l'histoire de Jarvis, c'est finalement pas grand-chose à côté de celle de Terney Turner, plus connu sous le nom de Tfue. Tfue tourne ses premières vidéos sur YouTube en 2014, donc à la base sur Call of Duty, les choses sur les FPS, ça y a pas de doute. Il a déjà une petite audience, mais il ne rencontre pas l'énorme succès escompté en tant que créateur de contenu. Et malgré plusieurs années d'activité intensive, là, les étoiles s'alignent. Donc, dans une game de Fortnite, le jeune américain croise le chemin de Banks, donc l'un des leaders de chez FaZe, et Banks voit tout de suite le talent de Tfue. Il va donc s'intéresser à son profil, va mater sa chaîne YouTube et remarque un gros potentiel. Et du coup, il va demander à Cloxy, qui était le premier joueur Fortnite à avoir signé chez FaZe, de se rapprocher de Tfue pour s'entraîner avec lui. Et c'est le début d'un duo qui va dominer la scène Fortnite pendant plusieurs mois. C'est le début de ce qui aurait pu être une longue idylle entre un talent brut et une structure qui a les moyens de l'exploiter. Parce qu'au-delà du sportif, Tfue devient très vite une figure incontournable de la scène Fortnite. En 2 mois à peine, il passe de 90 000 abonnés sur sa chaîne YouTube à plus d'un million. Dans la foulée, il va même devenir le plus gros créateur de contenu du monde sur le jeu, devant l'icône Ninja.
Le phénomène TIFIU, c'est quelque chose d'énorme qui relève de l'irréel. Banks avait bien saisi le potentiel, mais une ascension aussi fulgurante, c'était impossible de l'anticiper. Et le souci pour TIFIU, c'est qu'il se retrouve très vite dans une situation un peu relou. Parce qu'au moment de rejoindre FaZe et d'entamer son épopée vers les sommets, notre ami avait signé un contrat d'exclusivité de partage de ses différents revenus. Pendant 3 ans, TIFIU doit céder une partie de ses gains au club, que ce soit l'argent des cash prizes, des partenariats avec des marques ou des cachets divers et variés. Et la répartition, elle paraît quand même un peu agressive. FaZe prend par exemple 50% du coup de ses cachets, ou 50% des contrats avec les marques négociés par TIFIU. La structure prend même jusqu'à 80% des contrats avec les marques qu'elle a négociés elle-même. D'accord, si c'est FaZe qui apporte le deal, c'est eux qui prennent 80%. Si c'est TIFIU qui apporte le deal, là c'est 50%. On pourrait se dire que ça fait quand même beaucoup, mais il faut quand même se remettre dans le contexte. Je l'ai dit, quand FaZe va chercher TIFIU, il est tout petit et derrière, il devient très gros en grande partie grâce à FaZe. Si la structure ne toque pas à sa porte en 2018, on a de bonnes raisons quand même de croire qu'il ne serait peut-être pas devenu aussi big. Ce que lui propose FaZe à ce moment-là, c'est un peu l'Eldorado. Parce qu'au-delà du contrat dont on vient de parler, le club va lui filer un setup dernier cri pour jouer, créer du contenu, lui garantir un salaire. Le minot, il a à peine 20 piges, qu'il prend de l'argent, il a un cadre royal pour jouer et de rejoindre l'un des clubs les plus populaires du monde. C'est pas forcément hyper étonnant qu'en contrepartie, il capte pas que le deal qu'il a signé sur la répartition de ses autres revenus est pas forcément optimisé pour lui. Mais en même temps, je peux comprendre le côté un peu FaZe. Vous me dites si vous pensez que c'était trop peut-être dans les commentaires, mais en tout cas, voilà où on en est. Et encore une fois, la répartition, c'est une chose, mais ce qui rend le truc vraiment frustrant par la suite, c'est qu'il décolle beaucoup plus vite et fort qu'il était possible de l'envisager. Du coup, en fait, dès 2019, le deal est déjà complètement merdique pour lui, il s'en rend bien compte et demande logiquement à renégocier son contrat. Et même si le dossier est bel et bien rouvert, les offres de FaZe ne conviennent pas à TIFIU et vice-versa. Résultat, le joueur se retrouve bloqué avec le premier contrat pas ouf qu'il a signé pendant encore environ 2 ans. This is about me and this contract. This contract that I signed. Sauf que 2 ans, c'est trop long pour lui, ça lui va pas de devoir attendre autant, donc il tente un peu l'ultime solution, c'est-à-dire d'emmener FaZe devant la justice. Pas forcément l'idée du siècle, on va pas se mentir, en général quand tu menaces d'emmener quelqu'un au tribunal, c'est quand même que t'es à peu près sûr d'avoir les moyens de pression pour obtenir quelque chose. Sauf que sur le contrat en question, bah TIFIU, il n'a rien du tout. Le contrat est correct, il est légal, il est clean. C'est même pire que ça en fait. TIFIU, il avait 6 mois après la signature pour renégocier certains points, mais il ne l'a pas fait. Et vraiment, le comble dans cette histoire, c'est que le magazine Forbes, donc américain, a révélé que sur les 20 millions de dollars récoltés par TIFIU, FaZe n'a en fait récupéré que 60K, soit 3% des gains, d'accord? Donc on est bien loin de la répartition initialement prévue par le contrat, même si là, je sais que les 60K, c'est sur les deals de sponsoring. Et il n'y a pas eu 20 millions de deals de sponsoring, les 20 millions, ça mêle sûrement toutes les chaînes, etc. Mais disons que FaZe aurait pu être plus pirate sur certains points, et ne l'ont pas fait. Donc on pourrait se dire, bon, FaZe s'en sort bien, mais en fait, ce qui va écorner l'image du club dans toute cette affaire, c'est d'autres points litigieux que TIFIU met sur la table durant le procès, mais qui n'ont rien à voir avec son contrat. Par exemple, le joueur révèle que le club aurait mis la pression sur iSky, ainsi que sur sa famille, donc un membre, pour qu'il mente publiquement sur son âge et rejoigne FaZe. Le petit a seulement 11 ans à ce moment, et l'âge légal pour participer au tournoi Fortnite, mais aussi pour streamer sur Twitch, c'est 13 ans. Et TIFIU, il veut démolir FaZe avec ça, mais celui qui trinque le plus sévèrement dans l'histoire, bah, c'est iSky, parce qu'avec les affirmations de TIFIU, il admet avoir menti et se fait bannir de Twitch en conséquence. Autre accusation de TIFIU, le joueur assure avoir été encouragé par les membres de FaZe à boire de l'alcool ou encore à faire du gambling de casino. Bref, ça ressemble quand même fortement à un règlement de compte plus global et plus vraiment sur une simple question de répartition des revenus. Face à tout ça, le club ne se laisse pas faire et poursuit à son tour sa star en justice pour violation du contrat, diffamation, vol d'informations privées et pour avoir interféré avec d'autres contrats et relations commerciales de l'équipe. Au final, comme souvent aux États-Unis, les deux parties vont trouver un accord et se séparer à l'amiable. C'est la fin de notre chapitre avec TIFIU qui a annoncé il y a quelques mois se retirer des réseaux sociaux, alors que ses chaînes Twitch et YouTube ont depuis grimpé à plus de 11 millions d'abonnés chacune. Bon, et après il est allé sur Warzone et tout, il s'en est quand même sorti, mais c'était quand même dingue. Pour FaZe, c'est histoire de contrat louche et de procès ébranle les fondations de ce qu'était le club. Toutes ces bisbilles, ça marque quand même une certaine rupture avec l'esprit familial promu par la structure. Selon certains, cette affaire a même été le plus gros coup dur pour la réputation de celle-ci. Mais vous savez quoi? Eh ben, ce n'est pas fini. Et si on peut considérer que c'est le cas de TIFIU, les choses ont pris un tournant un peu plus unlucky. Le scandale qu'on va maintenant évoquer, c'était vraiment, mais vraiment possible de l'éviter. Et en une phrase, vous allez comprendre pourquoi FaZe s'est mis dans la sauce un peu tout seul. On parle de scam, on parle de 2021, c'était la mode, donc on va parler de crypto-monnaie. Et ça pue, c'est une vidéo, une affaire sur laquelle j'avais déjà fait une vidéo en 2021, l'affaire Save the Kids. Donc Save the Kids, pour faire rapidement, c'était un projet crypto-monnaie promu par certains, créateurs de contenu de chez FaZe,
Tico, Kay, Nikan notamment. Et certains étaient plus ou moins impliqués, d'autres l'étaient peut-être de manière un peu moins tangible, d'accord. Mais par exemple, Face Kay, lui, était complètement pourri jusqu'à la moelle. Grosso modo, Save the Kids, c'est un projet qui avait pour volonté, via une monnaie crypto, de aider à sauver des enfants en reprenant toute la direction artistique d'une vraie association qui existe et qui s'appelle Save the Children. Je vous laisse comparer les deux DA, les logos et tout ça. C'est quand même assez grossier. Et grosso modo, ce qui s'est passé, c'est qu'une bonne partie des gens qui ont promu le projet ont réussi à avoir de la monnaie avant le lancement officiel de la monnaie. Une fois que la crypto s'est lancée, après toute la promotion aux fans, vu qu'il y avait du monde qui en voulait, l'action est remontée. Sauf que ceux qui avaient eu accès à de l'argent avant le lancement officiel, qu'est-ce qu'ils ont fait une fois que ça a monté? Ils ont vendu. Et donc ils ont vendu au plus haut. Le token, donc le coin, s'est crashé. Rien, donc aucune des promesses tenues autour de cette monnaie ne s'est réalisée. Et autant vous dire que cette affaire, même si elle a concerné certains membres de FaZe et pas la structure FaZe directement, et même si pour une partie ils se sont fait dégager de la structure, et donc notamment FaZe Kay, et même si certaines enquêtes ont permis de montrer que certains des créateurs de contenu de FaZe qui ont fait la promotion de Save the Kids n'ont pas revendu leur token, donc c'est-à-dire qu'ils ont gardé leur argent même quand la valeur est montée, ce qui avait quand même pour but d'éventuellement le laisser stable et de croire réellement au projet, autant vous dire que ça a fait un mal de ouf à FaZe Clan. Passé Tfue 2019-2020, passé CSGO Wild quelques années d'avant, et puis ensuite là, Save the Kids, autant vous dire que ça commence à ressembler à une débâcle, et il a fallu quand même balayer devant sa porte, punir ceux qui ont fait la promotion de ce scam, pour en avoir aussi pas été assez vigilants sur ce qu'ils ont mis en avant. Et du coup, les 4 fantastiques, comme je vous l'ai dit, ils ont été sanctionnés. Jarvis, Nikan et Tico, ils ont été suspendus, et Kay, lui, s'est fait carrément virer. Et au passage, c'est la deuxième fois que l'on parle d'une sanction à l'encontre de Jarvis dans cette vidéo. Il en rate pas une, le frérot. Mais en gros, après l'affaire Tfue, c'est l'affaire Save the Kids, c'est l'autre grand scandale de chez FaZe, après aussi CSGO Wilds, qui aura à la fois des répercussions en interne et évidemment auprès du grand public. Et maintenant qu'on a vu la réputation de la structure être très amochée durant les années précédentes, on peut passer à la partie business, parce que là aussi, le bas blesse, et là aussi, FaZe a beaucoup perdu, voire énormément perdu, voire quasiment tout perdu. Et pour comprendre ça, il faut que je vous présente un certain monsieur qui aura fait beaucoup de mal à la structure, le dénommé Litrink. Litrink, c'est pas un influenceur, c'est pas un gamer comme les autres figures de la structure. C'est un entrepreneur, un homme d'affaires qui à la base avait rejoint l'aventure en tant que conseiller avant de grappiller les échelons et de prendre ni plus ni moins que la place de CEO en 2018. C'est un peu comme Arthur avec la K-Corp, si on veut être honnête, sauf que Arthur il est vraiment compétent. Et notre Litrink, d'accord, il a un objectif, on pourrait même dire une lubie, c'est de faire entrer FaZe en bourse. Mais il y a comme un hic, parce que si on regarde dans le rétro, la bourse ça ressemble pas vraiment à ce qu'était FaZe à l'origine. Rappelez-vous les racines de FaZe, c'est un truc communautaire, presque familial avec les fans au centre du projet, sauf qu'au fur et à mesure c'est devenu quelque chose lifestyle, puis à l'opposé c'est devenu des mecs en costard cravate que tu vois dans les séries à Wall Street. La bourse c'est pour ceux qui viennent investir en espérant maximiser la rentabilité et les profits. Ce que veut la communauté FaZe, elle, c'est pas forcément ce qui va importer aux actionnaires. Les actionnaires, eux, ils veulent des retombées économiques, et sauf que ces actionnaires, c'est eux qui ont leur mot à dire sur les décisions à partir du moment où ils entrent au capital de l'entreprise. Et donc il y a un risque de perdre l'essence même de ce qu'a été FaZe à cause de mecs au long dedans. Et au-delà de ça, l'e-sport en général et la bourse, ça n'a jamais fait vraiment bon ménage. C'est un milieu très complexe qui requiert des skills spécifiques que les mecs à la tête des clubs n'ont pas forcément développé. Et de l'autre côté, pour les traders, l'e-sport c'est plus un gouffre financier que le secteur d'avenir qui va te sortir 5 licornes par an. Et pourtant c'est pas ça qui va effrayer Litrink. L'homme d'affaires est bien décidé à faire entrer FaZe en bourse, très bien. Le seul souci c'est que tout ça, ça se fait pas d'un claquement de doigts. Il y a un processus qui est long, des règles et des critères à respecter pour pouvoir être introduit en bourse. Mais Litrink, il n'a pas ton temps, on est en période de pandémie de Covid-19 et à ce moment-là, il y a une méthode qui est en vogue chez les entrepreneurs pour entrer plus facilement en bourse, ça s'appelle la SPAC. La SPAC, c'est pour spécial, purpose, acquisition, compagnie. À partir de là, on va prendre un petit tunnel, d'accord ? Il va falloir un petit peu s'accrocher. Je compte sur votre attention. J'aurais pu vous épargner tous les détails que je vais évoquer, mais je pense que c'est important pour bien comprendre ce qui s'est passé. En gros, avec une SPAC, tu crées une société vide, d'accord ? C'est un coffre-fort que tu remplis juste d'argent, mais qui n'a pas d'activité opérationnelle, ce qui facilite grandement son entrée en bourse. Pourquoi ? Parce que l'un des prérequis avant d'entrer en bourse pour une boîte, c'est de se mettre à poil, d'avoir une transparence totale sur la santé financière, sur tes projections, sur ton potentiel, sur ton business plan, sur tes objectifs. En fait, l'idée derrière, c'est que les investisseurs potentiels sachent parfaitement dans quoi ils s'engagent. Mais du coup, avec la SPAC, y a rien à vérifier. La boîte qui veut entrer en bourse dans le cadre de cette méthode, comme je l'ai dit, qui est comme une sorte de fusion, elle n'a pas d'activité, elle n'a pas vocation à en avoir. Elle est là juste pour la thune, pour lever de l'argent qui attend bien au chaud. Et c'est seulement dans un deuxième temps, après que cette société coquille, comme on l'appelle, est entrée en bourse, qu'elle va racheter une autre société qui, elle, n'est pas encore cotée, afin de l'aspirer et ainsi permettre son entrée en bourse de manière détournée. En l'occurrence, la société qui devait être rachetée dans un deuxième temps et qui n'a pas besoin de se dévoiler, si tu as bien suivi, c'est FaZe. La SPAC entre en bourse, lève des sous,
rachète FaZe. FaZe rentre en bourse sans avoir révélé plein de choses. Sauf que bon, même avec ce petit tour de passe-passe, t'es pas en toute chousse et hop, ça y est, t'es en bourse et c'est bon. Pour faire valider ta SPAC, et donc l'introduction de ta société coquille, t'as besoin de convaincre des premiers investisseurs pour dégoter ce qu'on appelle un seuil de capitalisation boursière. Si t'atteins pas ce chiffre à une date butoir, les investisseurs récupèrent leur thune et ta SPAC, elle tombe aux oubliettes parce que t'auras pas convaincu assez de gens vis-à-vis de ton projet. C'est d'ailleurs un peu marrant ce principe parce qu'en fait, tu te retrouves à devoir chercher des gens prêts à investir dans une société qui n'a pas d'activité, même si foncièrement ils investissent dans FaZe, et qui doivent juste te croire sur parole quand tu leur dis que si, l'entreprise dont j'ai pas osé montrer les chiffres est en pleine forme, je vous assure. Pour FaZe, la capitalisation boursière que la SPAC devait atteindre, c'était 120 millions de dollars. Pour le dire plus simplement, FaZe devait trouver 120 millions pour entrer en bourse. Donc bah, il y a besoin d'argent, c'est quand même une grosse somme. Et pour l'aider à trouver ses fonds, Littring peut notamment s'appuyer sur les chiffres du magazine de référence Forbes qui classait en 2020 FaZe à la 4e place des entreprises e-sport les plus puissantes au monde. Le journal avait valorisé le club à 300 millions de dollars, de quoi rassurer les potentiels investisseurs. Rendez-vous compte de ce que représente FaZe, un titre majeur sur CSGO, un titre genre sur Call of Duty, une franchise quand même, et plusieurs dizaines de millions d'abonnés sur YouTube, des sponsors de renom. Et même si le club avait essuyé des dramas et qu'une entrée en bourse était perçue comme un risque, la structure reste stable financièrement au profit de sa grande fanbase et également une boîte de production qui a réalisé films, émissions de télé-réalité, et qui a un pôle de créateurs de contenu quand même assez élevé. Tout ça, ça fait de beaux arguments pour Littring quand il va dénicher des investisseurs. D'ailleurs, au passage, selon lui, la valorisation de Forbes était sous-estimée. Et lui, valorisait sa boîte à 1 milliard, soit 3 fois plus que ce qu'avait estimé le journal américain en 2020. Mais du coup, Littring, il contacte son carnet d'adresses en tant que bon businessman en leur expliquant que c'est le moment ou jamais d'investir dans la structure, que les bénéfices seront rapides une fois que FaZe sera en bourse, et qu'il faut donc profiter de cette opportunité de pouvoir investir avant les autres, bla 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 bla. Et vous savez quoi? Et bah ça va marcher. Ça a marché avec pas mal de gens qui vont au total balancer une centaine de millions de dollars en espérant simplement que Lee est un gars honnête et sympa et que son business plan fonctionne. Et dans le lot, il y a de nombreuses personnalités même influentes comme le rappeur Lil Yachty, LeBron James, Kyler Murray, Pitbull et j'en passe. On a donc des acteurs, des producteurs de musique, des sportifs. Et plus tard, la tête d'affiche de toutes ces célébrités, vous l'avez forcément vu passer sur les réseaux, ce sera un certain Snoop Dogg. Peu de gens se sont en fait intéressés en détail à la nature du deal entre la structure et le rappeur. Ce qu'on sait, c'est qu'il a rejoint la direction de FaZe en 2022 en achetant un peu moins de 2 millions de dollars d'actions. On sait aussi que sa femme ainsi que son fils sont aussi entrés au capital de FaZe en prenant de leur côté 250 000 dollars d'actions. Tout ça pour dire que la présence de ces personnalités, ça avait engrangé un cercle vertueux parce que toutes ces stars qui s'engagent avec toi, ça crédibilise ton projet, ça te rend plus attrayant et ça te permet de trouver de nouveaux investisseurs qui sont pas forcément connus mais qui ont de l'argent. Pour reprendre l'exemple de Snoop Dogg, même s'il est postérieur à tout ça, le gars s'est pointé pour le show de la mi-temps du Super Bowl avec un collier en or du logo de FaZe Clan. Vous imaginez un peu tout ça pour nos clubs français, ce serait une dinguerie. Initialement, Littring, il réussit son pari. Il trouve les fonds, il valide la SPAC qui entre donc en bourse en mars 2021. Donc FaZe annonce en grande pompe quelques mois plus tard, le 25 octobre 2021, que le club va à son tour intégrer prochainement le Nasdaq dans le cadre d'un montage financier relativement opaque entre les deux entités. Les marchés valorisent à ce moment-là le club à 725 millions de dollars. Moins que le milliard avancé par Littring, mais plus que la valorisation estimée par Forbes un an plus tôt. Et les opérations prendront quelques mois. La fusion a même été menacée, mais FaZe fait bien son entrée en bourse en juillet 2022. Cette valorisation conjuguée à l'effet d'annonce va, comme souvent, faire grimper le prix de l'action au tout début, qui va plus que doubler, culminer jusqu'à 23 dollars par action le 30 août 2022. C'est énorme et de quoi faire rêver le milieu et surtout contredire toutes les personnes qui ne croyaient pas au projet. On en profite alors même pour acheter des grandes maisons, on crée d'autres colliers en diamant avec le logo FaZe, on loue des entrepôts à Hollywood, on paye quelqu'un pour qu'il nous amène son chien au travail, qui a d'ailleurs déjà mordu des employés. Bref, on sait se faire plaisir à l'américaine. Dans un article de Bloomberg, une phrase exceptionnelle est rapportée: on ne jette pas de l'argent à la poubelle, on crée une mythologie. Donc on pourrait se dire que jusqu'ici, le plan de Lee fonctionne à merveille, que même s'il s'y retrouve pas forcément politiquement vis-à-vis des fans, économiquement tout se déroule comme prévu. Mais si vous avez suivi la vidéo depuis le début, vous savez que ça ne va pas bien se finir. Faut qu'on rembobine un peu, parce que un peu plus tôt dans l'histoire, la SEC, pour Security and Exchange Commission, si vous avez regardé l'excellente série Suits, on en entend souvent parler de ces derniers, qui est en gros le gendarme de la bourse américaine, ils étaient venus mettre leur grain de sel. Durant le processus, elle avait averti les investisseurs sur les risques liés à la méthode SPAC. C'est pour ça qu'il fallait qu'on en parle et que je vous détaille un peu tout ça. Et parce que, rappelez-vous, je vous avais dit que ce système avait la cote. Et Littring, c'est loin d'être le premier à tenter l'expérience. En fait, la SEC va arriver et expliquer que 32 milliards de dollars ont déjà été investis via cette méthode dans des entreprises qui, pour la très grande majorité, se sont écroulées après être entrées en bourse. Et donc, les investisseurs de ces boîtes ont juste perdu leur argent. Malheureusement pour Lee, l'alerte de la SEC va parvenir aux oreilles des investisseurs qui vont presque, pour beaucoup, se retirer, et ce, sans avoir payé. Ah,
C'est un peu moins mythologique d'un coup. Car oui, ce qu'on n'a pas dit, et c'est un peu le plot twist de l'histoire, c'est que les investissements que Littrink a réussi à trouver l'ont été dans le cadre de ce qu'on appelle des non-binding commitments, soit des accords sans engagement. C'est une transaction qui n'a pas encore été effectuée et de laquelle chacune des parties peut volontairement se retirer avant la signature de l'accord ferme. C'est une particularité de la SPAC qui permet notamment de convaincre plus facilement les investisseurs en leur disant qu'ils peuvent se retirer dans le cas où, par exemple, le lancement de la boîte ne rencontre pas le succès escompté. Côté phase, ce type d'accord, ça permet de créer un cercle vertueux parce qu'en facilitant l'arrivée des investisseurs, la valorisation de la société augmente et devient donc plus attractive. Sauf que là, ça ne se passe pas très bien. Résultat, sur les 100 premiers millions d'euros soulevés par FaZe, seuls 28 millions sont réellement perçus. Sur ces 28 millions, une grande partie provient d'une entreprise nommée B. Riley Financial, qui appartient à un certain Dan Schribman. Et c'est ce dernier qui aurait conseillé quelques mois plus tôt à Littrink d'avoir recours à la méthode SPAC. D'ailleurs, cette SPAC avec laquelle FaZe avait fusionné, elle avait bien un nom. Bah, je vous le donne en mille. Elle s'appelait B. Riley Principal 150 Merger Corp, abrégé en BRPM. Vous avez certainement compris, mais en gros, notre dame Schribman, c'est le gars qui a poussé pour la SPAC et qui savait probablement que tout ça était extrêmement risqué. C'est le gars qui était derrière la société Coquille, justement créée pour monter cette SPAC, qui a ensuite sorti le carnet de chèques pour ouvrir la voie, mais qui se retrouve au final être le seul gros investisseur. Le retour de bâton est donc assez amusant. Il y a aussi beaucoup des investisseurs qui ont bel et bien payé, qui vont juste prendre peur et cash out, se barrer avec l'argent qu'ils ont investi dans FaZe, donc dès son entrée en bourse, et ça va rapidement faire perdre 200 millions de dollars à la valorisation de l'entreprise. Devant ce désastre, la SEC va alors publier un bilan de 14 pages sur la situation dramatique de BRPM, désormais devenue FaZe Holdings, et ça va évidemment alerter les quelques investisseurs rescapés et conduire à une chute libre de la valeur des actions de la société. Fin septembre 2022, l'action est retombée à son niveau d'origine, donc à 10 dollars. Elle a ensuite continué de dégringoler et est passée sous le dollar en février 2023. C'est une catastrophe industriel comme on en fait peu. Le fait que l'action passe sous les 1$, c'est un désastre parce qu'à cause de ça, FaZe risque d'être listé en dehors du Nasdaq, c'est-à-dire retiré de la bourse. Et Littrink va réussir à sauver la mise en passant un accord. FaZe a jusqu'à mars 2024 pour que son action soit valorisée à minimum 1$ pendant minimum 10 jours d'affilée. Sinon, elle se fera dégager de la bourse, marquant probablement une partie de sa fin. Alors Littrink, il a gagné du temps, mais le problème, c'est qu'on est dans une période délétère au sein de FaZe. On est dans un engrenage infernal, une succession de coups durs. En février 2023, toujours, FaZe est obligé de licencier 20% de ses effectifs. Deux mois plus tard, Snoop Dogg, l'égérie, quitte le navire. Et à ce stade, même avec ses partenariats prestigieux signés durant les années d'influence avec des mastodontes comme Porsche, DC Comics ou autres, ça paraît impossible pour l'équipe américaine, ou en tout cas très compliqué, de redresser la barre et de voir le bout du tunnel. D'ailleurs, ça va même devenir un mème sur la scène, genre les fans des équipes adverses vont se foutre de la gueule du cours de l'action de FaZe pendant les matchs officiels en montrant des graphiques qui pointent vers le bas, la structure se faisant même tacler par MrBeast sur Twitter. La réputation de FaZe semble enterrée à jamais. Et face à la crise, ça va commencer à se tirer dessus et à laver son lynchage en public. Certains visages de l'équipe comme Rain ou Tico, pas le joueur CS mais le créateur de contenu, vont publier des vidéos qui accablent Littrink et marquent définitivement une rupture entre le haut de l'organigramme et le reste du projet. Ils expliquent que les membres originels ont perdu leur pouvoir décisionnaire parce qu'ils pipaient rien à la finance, qu'ils se sont fait arnaquer et que la structure a été corrompue par des actionnaires avides d'argent et par des gars qui favorisaient des collaborations avec des personnalités et des grosses marques plutôt que de se concentrer sur l'essentiel de ce qui a été même l'origine de l'équipe, la communauté. Et dans ces mêmes vidéos, ils racontent aussi que ça leur arrive de ne pas être payés pour certains services, pour l'utilisation de leur image, pour du merch, des goodies. Ils affirment qu'on leur manque de respect continuellement et que la situation est catastrophique en interne. Ils assurent même le fait que les dirigeants mentent aux fans. Pour appuyer leurs propos, ils ne vont pas hésiter à révéler des chiffres pour montrer comment FaZe est en train de perdre tout son argent à cause de la gestion exécrable des businessmen à la tête de l'entreprise. Rain dévoilera que le club perd près de 60 000 dollars par mois avec Counter-Strike à ce moment-là, 86 000 dollars sur Halo, 36 000 dollars sur Rocket League, des chiffres qui aboutissent à une perte totale de plus de 750 000 dollars par mois rien que sur la partie exploitation de l'e-sport. Cette vidéo assassine pour la direction de FaZe est passée en non répertoriée depuis le temps, mais sans surprise, de nombreux membres ont quitté le navire et en ont profité pour faire à leur tour des vidéos, ils balancent tout ce qu'ils ont sur le cœur. Et en septembre 2023, ce qui devait arriver arriva, Littrink est renvoyé et il est remplacé au poste de CEO par Christophe Pachler, l'ancien directeur financier, qui arrive avec pour seul et unique but de sauver la boîte. Mais ce changement est en fait très provisoire, parce que dès le mois suivant, la société GameSquare annonce qu'elle s'apprête à racheter FaZe. GameSquare a finalement acquis 55% des parts du club en mars dernier pour la somme de 17 millions de dollars, ce qui signifie qu'en mars, la valeur totale de FaZe était de 31 millions de dollars. On est à des années des 725 millions de dollars de valorisation de l'entrée en bourse. GameSquare, avant cela, était propriétaire d'une autre équipe,
Complexity. Mais ils ont décidé de les lâcher pour se consacrer uniquement sur Phase, dont l'image est bien plus élevée que celle de Complexity. L'une des décisions fortes induites par ce rachat, c'est que Banks reprend les commandes et le contrôle des opérations. Et c'est donc l'heure du renouveau pour Phase. Et après plusieurs mois sans activité, l'équipe relance le projet en annonçant notamment le départ surprise de 17 figures historiques. Blaze, Nate Hill, Calais, Smooth, Faxuti, Scizor, Zagoni, Sway, bref. Et là-dedans, il y a des personnes qui étaient à l'origine de Face Clan. Mais même elles n'ont pas su garder leur place au sein de la nouvelle itération du clan américain. Banks a été très très décrié pour cette décision, mais le nouveau boss s'est défendu en expliquant que l'un des gros problèmes de Face Clan était selon lui le manque d'unité en termes de vision, de valeur et de type de contenu. Pour lui, cette restructuration visait à clarifier ce que représente réellement la marque. Il a d'ailleurs pas hésité à mettre des petits coups derrière l'oreille à certains en qualifiant leur comportement de cupide. Si on me demande mon avis, ça ressemble surtout à une prise de pouvoir en bonne et due forme, en faisant sauter des voix fortes au sein du club, mais il y a peut-être des choses en interne qui pourraient justifier le tout. Pour les membres restants, ils formeront le noyau dur de ce nouveau phase, en plus de l'arrivée de quatre nouveaux visages. Lacey, Jason, Max et Silky. Pour nous, c'est ici que se termine la longue et tumultueuse histoire de Face Clan, un club légendaire de YouTube et de l'e-sport qui aura tout connu ou presque, qui a été pour l'instant sauvé de justesse alors qu'il était au plus bas et qui est maintenant sur de nouveaux rails en direction de nouvelles aventures pour le plus grand plaisir de tous les spectateurs de ce groupe de potes mais aussi de ce nouveau groupe de potes. D'ailleurs, pour tous les passionnés d'e-sport, Face reste malgré tout un empire, toujours dans le haut du panier sur CS, on l'a dit, mais aussi sur son jeu d'origine, Call of Duty avec Atlanta Face. Le club s'est depuis également incorporé sur Rainbow Six, au Brésil, sur Halo, avec une victoire au dernier major à Londres, ou sur Smash avec Spargo, l'actuel numéro 2 mondial. Donc c'est pas non plus des clowns, d'accord? Face, ça a été le passé, c'est encore le présent, et on espère, d'accord, compte tenu de tout ce que le club a apporté, que ce sera aussi le futur. Entre-temps, Face est aussi devenu un monstre que l'on connaît aujourd'hui, avec plein d'équipes sur un nombre incalculable de jeux, une explosion des dépenses, une situation économique compliquée, des scandales. C'est ce qui a fait cette histoire, et j'espère qu'elle vous a plu. Ce sera très intéressant de suivre la direction que va prendre Phase maintenant, dans les prochains mois et prochaines années, en ayant redonné le pouvoir aux plus anciens, et en étant peut-être un petit peu moins dicté par les intérêts économiques d'une certaine caste qui au final n'avait peut-être rien à foutre là. C'était Zach Nani, j'espère que ça vous a plu. Merci à toutes les personnes qui ont aidé à la rédaction, à la conception de cette histoire. J'espère que ça vous a fait kiffer et retomber en enfance pour certains, car Phase, ça a maintenant 15 ans, ce qui est quand même assez ouf. Si vous avez envie d'encore de vidéos storytelling, vous me dites dans les commentaires, peut-être même des thèmes ou autres, il y a plein de trucs à explorer. Laissez un petit like et on se dit à la prochaine les amis. Ciao ciao !